Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui Patrick Radzouel, conseiller diplomatique du président malgache. Bonsoir Patrick. Bonsoir à vous. Merci d'avoir cette invitation, merci de revenir sur mon plateau. C'est toujours un grand plaisir. Avec vous, on parlera de la COP29, du dernier sommet de la francophonie et surtout de l'élection de Donald Trump. Aux États-Unis, 300 milliards de dollars par an à partir de 2025 pour aider les pays en développement pour faire face à la crise climatique. C'est un chiffre qui vous rassure? Écoutez, je pense que des conclusions ont été tirées de cette COP29 avec un certain nombre d'interrogations de la part des pays du Sud. Je rappelle, pour ce qui concerne mon pays, Madagascar, que nous ne sommes, entre guillemets, coupables que de 0,08% de réchauffement climatique. Mais nous sommes la troisième victime. La COP21 a pris des résolutions extrêmement précises. Malheureusement, ces résolutions n'ont pas tout de suite été suivies d'effets. Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Est-ce que nous devons subir, nous, pays du Sud, tous les aléas de l'industrialisation de l'hémisphère nord, sans bouger? Ou est-ce que nous devons nous rassembler pour peser, justement, sur ce sujet? Peser sur ce sujet, ça signifie de faire appliquer un certain nombre de résolutions, appliquer de façon extrêmement concrète, en sonnant et trébuchant, en dollars, parce que nos populations souffrent. Les populations, par exemple, du sud de Madagascar souffrent énormément de la sécheresse. Nous souffrons également d'un certain nombre d'aléas climatiques, les cyclones, l'érosion des côtes, un certain nombre d'autres choses qui sont extrêmement graves pour Madagascar, avec, par exemple, l'inondation des rizières. Et donc, nous ne pouvons plus supporter cette chape de plomb environnementale qui pèse sur nous pas seulement Madagascar, mais les pays du Sud. 300 milliards annoncés, 300 milliards annoncés pour vous, c'est peu. Il faut encore plus. Mais écoutez, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Très concrètement, notre ministre de l'Environnement a posé un certain nombre de questions, a fait un certain nombre de requêtes, a fait un certain nombre d'alliances avec des pays qui sont, comme nous, victimes de la crise climatique, qui n'est pas seulement une crise environnementale, c'est une crise humanitaire. Cela touche des femmes et des hommes. Je rappellerai que dans notre sud malgache, il y a des gens qui souffrent justement de ce réchauffement climatique. Il faut aujourd'hui mettre en accord ces paroles, y compris les paroles de la COP21, en accord avec les décaissements très concrets qui vont directement aux populations, qui sont directement affectées justement à cette lutte contre le réchauffement climatique. Parlant d'alliance, votre pays a formé avec le Bhoutan, le Panama et le Suriname, ce qu'on appelle le G0. Quel est l'objectif et quel est le mode de fonctionnement surtout de cette coalition internationale? C'est une coalition avec, vous l'avez dit, les trois autres pays. C'est un début de coalition qui, j'espère, va agréger d'autres pays qui vont porter haut justement cette voix des gens qui sont victimes. Nous sommes victimes. Et de victimes, je crois qu'il faut passer à acteurs. Acteurs, cela signifie que nous devons prendre toute notre part dans la gouvernance mondiale de la lutte contre le réchauffement climatique. Et ça, c'est extrêmement clair. Ça a été d'ailleurs un vœu d'un certain nombre de dirigeants politiques à la COP29. Et nous devons prendre, encore une fois, que cela soit dans les instances diplomatiques, que cela soit dans des instances environnementales, nous devons prendre toute notre part dans la gouvernance. Les COP se multiplient chaque année, mais est-ce que vous vous sentez entendu en tant que pays africain? Je pense que les pays du Sud ne sont pas entendus. Ils sont écoutés, avec parfois de la part des dirigeants de l'hémisphère nord des larmes aux yeux, avec un certain nombre d'ONG de l'hémisphère nord qui jouent le jeu des dirigeants de l'hémisphère nord. Une sorte d'hypocrisie de leur part, c'est ce que vous dites? Non, 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 ils jouent leur rôle. Ces gens-là sont, je parle de certaines ONG de justement l'hémisphère de nord, qui sont immensément financées par justement les dirigeants de l'hémisphère nord. Donc ce n'est pas de l'hypocrisie, non, non, ils jouent leur jeu. Mais c'est à nous maintenant de jouer notre jeu. Et quand je parle de notre place dans la gouvernance internationale s'agissant de l'environnement, c'est de cela dont je parle.
Très bien, on va parler du sommet de la francophonie qui a eu lieu à Villers-Cotterêts le mois dernier. Quel bilan tirez-vous de ce 19e sommet ? Tout d'abord, c'est un sommet qui s'est parfaitement bien déroulé. La France a effectué une très très belle prestation internationale. Madagascar a été à l'honneur à deux reprises dans un certain nombre de discours très importants, saluant naturellement le leadership du président André Rajoelina dans un certain nombre de domaines, y compris en Afrique, dans le domaine de l'environnement également. Ce que nous avons vu à Villers-Cotterêts et à Paris, c'est que des dirigeants, notamment des pays du Sud global, ont pu s'exprimer sur un certain nombre de sujets, y compris des sujets qui sont très sensibles. Je pense à nos frères de la RDC, à nos frères du Rwanda, qui sont actuellement en conflit. Nous pensons également, même si ce n'est pas un pays francophone, au Soudan. Il y a un certain nombre de conflits qui meurtrissent l'Afrique. Nous en avons parlé, y compris les chefs d'État qui en ont parlé à Paris, à l'occasion d'un huis clos entre chefs d'État. Et ce sommet de la francophonie, justement, doit permettre un apaisement de la situation internationale, et notamment en Afrique. – Que répondez-vous à ceux qui considèrent que ces rencontres s'apparentent encore à un cercle néocolonial ?– Pas du tout, pas du tout. Non, non, ce n'est pas du tout un cercle néocolonial. Quand vous voyez la composition des pays qui figurent parmi l'Organisation internationale de la francophonie, qui est dirigée par une secrétaire générale rwandaise notamment, non, absolument pas. Il faut, je crois, sortir de ce fantôme de la néocolonisation, parce qu'il y a la France, parce qu'il y a éventuellement le Royaume-Uni, parce qu'il y a l'Allemagne, qui ont été tous les trois, ou la Belgique, qui ont été tous les quatre des pays colonisateurs. Je crois qu'il faut sortir, il faut que nous, Africains, sortions de ce concept-là de victimisation. Nous n'avons pas à être victimes aujourd'hui. Nous avons été victimes dans le passé. Nous n'avons pas à être victimes aujourd'hui et demain. Nous devons prendre, encore une fois, toute notre place dans la gouvernance mondiale de la planète. – Et parlant de gouvernance mondiale, quel rôle peut jouer la francophonie en tant qu'espace diplomatique? Quelle est son influence encore dans ce monde en pleine recomposition ?– La francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie, et je lui en sais rigueur, je lui en sais gré, a été un acteur parmi d'autres, notamment des élections qui ont eu lieu à Madagascar, les élections présidentielles. Ça a été avec la SADC, l'Organisation internationale de la francophonie, présente justement à ces élections. L'Organisation internationale de la francophonie a un rôle éminent à jouer. D'abord parce qu'elle rassemble des pays qui ont en commun la langue française, d'une part, parce qu'elle rassemble également de grandes puissances. Vous avez parlé de la France, on peut parler également du Canada et d'autres pays encore. Et justement, c'est un espace de dialogue et éventuellement d'apaisement des crises internationales, comme d'autres organisations, comme l'Organisation des Nations Unies, comme l'Union africaine, comme toutes ces organisations, soit continentales, soit internationales. Et l'Organisation internationale de la francophonie, encore une fois, doit jouer un rôle éminent dans l'apaisement des conflits, et notamment dans les pays du Sud. – En plus d'être un espace diplomatique, c'est aussi un espace économique. Comment renforcer aujourd'hui l'attractivité au sein de la francophonie? On sait que certains jeunes Africains se tournent plus vers les pays du Commonwealth. D'abord, quelles sont les raisons selon vous? Et puis comment permettre à cet espace francophone d'être un lieu d'attractivité pour cette jeunesse-là? – C'est effectivement une très très bonne question, parce que moi je me souviens de la secrétaire générale d'origine canadienne, haïtienne canadienne, qui a dirigé la francophonie il y a quelques années, qui justement avait parlé de ce rôle économique de l'Organisation internationale de la francophonie. De mon point de vue, nous ne sommes pas allés au bout de la logique, c'est-à-dire que l'OIF doit effectivement être, comme cela a été évoqué notamment à Villers-Cotterêts, l'OIF doit être un moteur important de l'industrialisation et de l'économie au niveau de l'espace francophone, mais également en entraînant d'autres pays à participer au développement humain de notre planète et significativement des pays du Sud global. – Est-ce qu'il faut renforcer l'immigration au sein de cet espace francophone là aujourd'hui, plus de visas entre les pays francophones selon vous ?
C'est une question extrêmement complexe. Enfin, ça fait partie des recommandations hein, qu'on entend dans différents… – J'entends bien, et moi-même, dans la mission qui m'est confiée par le président de la République, André Zouen, j'ai eu l'occasion d'alerter un certain nombre de pays sur la trop grande restriction de visa. J'ai même porté ce sujet auprès des conseillers diplomatiques, auprès de mes homologues dans les pays du Nord. Donc effectivement, c'est un très très gros problème pour nos enfants qui ont très souvent fait leurs études dans des lycées français, dans des institutions françaises, et qui parfois, pour ne pas dire souvent, se font bloquer par les visas et ne peuvent pas atteindre les universités françaises auxquelles ils sont inscrits. Donc effectivement, la question que vous posez est délicate. Ouais, c'est un problème de souveraineté nationale pour les pays du Nord. Chacun a le droit d'accueillir ce qu'il veut. Mais pour nous, pays du Sud, c'est un vrai problème. Et je suis le papa d'une jeune fille qui a fait ses études au Canada. Il y a beaucoup de malgaches qui partent au Canada, beaucoup de malgaches qui partent en Inde, à Maurice, en Chine, aux États-Unis d'Amérique. Et je pense que c'est une perte et pour la francophonie et pour l'influence de la France à travers le monde. – Parlant de la francophonie en tant que culture désormais, est-ce qu'aujourd'hui les malgaches sont fiers de parler le français ? La question n'est pas bête parce qu'il y a certains pays de l'Afrique occidentale notamment qui… souhaitent remettre en avant leur langue locale, ce qui est assez légitime. Hein, mais est-ce qu'on se rend pas compte aussi que le français perd du récup aujourd'hui face à certaines langues-là ? D'abord, les Malgaches sont très fiers de parler le malgache. Je rappelle que c'est notre roi Radam Ier qui a unifié la langue malgache. Donc, c'était au XIXe siècle. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je répondrai pas directement à votre question. Je répondrai en disant que de plus en plus de Malgaches pratiquent l'anglais, jusque et y compris sur les réseaux sociaux, jusque et y compris certaines personnalités publiques. Très bien, on va parler maintenant, parlant d'anglais, donc parlant des États-Unis avec la victoire de Donald Trump. Pour vous, elle était irréversible, inévitable ? Bah écoutez, moi j'ai passé quelques temps cet été aux États-Unis d'Amérique, avec les équipes notamment de Donald John Trump. Et chacun savait, il y a eu également du côté démocrate des sondages qui ont montré que très tôt, qui ont montré très tôt, dès le mois d'août, septembre, que le président Donald John Trump allait gagner cette élection. Il a gagné cette élection avec 56% des votes. Il a su rallier un certain nombre de minorités. Et pour moi, c'est une victoire éclatante, d'autant plus éclatante qu'elle va nous permettre, par rapport à ce qu'a déclaré le président Donald John Trump sur le protectionnisme américain, qui va nous permettre, à nous, Africains, justement, de, par homothétie, de faire également ce protectionnisme que j'appelle de mes voeux, parce que nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Il y a trois pays qui dirigent le monde, les États-Unis d'Amérique, la République populaire de Chine et la Fédération de Russie. Avec un certain nombre d'autres pays émergents, comme l'Inde, comme le Maroc, comme la Turquie. Et pour nous, Afrique, il est important de considérer que nous avons des ressources naturelles et il est important de considérer que l'hémisphère nord a des besoins de ressources naturelles. Donc, s'il faut jouer dans la cour du protectionnisme, tel que vont le jouer les États-Unis d'Amérique de façon extrêmement puissante, mais que jouent également d'autres pays, comme la République populaire de Chine, comme d'autres pays qui sont, je dirais, qui protègent leur industrie locale, leurs ressources humaines, leur monnaie. C'est à nous, Africains, de nous rassembler, de nous unir, de créer un certain nombre de ce que j'appelle de mes voeux de conglomérats dans le domaine des télécommunications, ce qui existe déjà, dans le domaine de l'énergie, qui existe déjà, dans le domaine de la distribution de télévision, qui existe déjà. C'est à nous de nous rassembler, justement, pour peser. Quand je parlais tout à l'heure de la gouvernance mondiale, je veux également parler de la gouvernance économique, y compris, d'ailleurs, avec des places beaucoup plus importantes au sein du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. – C'est ça, du Bretton Woods.
Les fameuses solutions de Boutoué. Mais qui dit protectionnisme dit isolationnisme quand même. Non, protectionnisme, on protège. On protège ses populations, on protège ses ressources naturelles, on protège également ses emplois. Et ce que je dis, c'est qu'effectivement, en protégeant cela, il s'agit pour nous également d'avoir des cotations de nos matières premières que nous maîtrisons. Il s'agit également pour nous d'avoir des centrales d'achat que nous maîtrisons. C'est peut-être utopique, mais moi je pense que l'Afrique et plus généralement le Sud global doivent s'entendre justement pour offrir dans de meilleures conditions pour eux les matières premières à l'hémisphère nord qui est demandeur. Donc à défaut d'être une chance pour les Africains, cette élection, elle est une prise de conscience, c'est ce que vous Absolument dites ? Absolument pas. Les Africains n'ont rien à voir avec l'élection de Donald John Trump. Ce sont les Américains qui ont à voir avec l'élection du président Donald John Trump. Les Africains doivent en tirer parti. Ce que je dis, comment, c'est qu'effectivement… – surtout ?– Mais justement, je viens de l'expliquer, par un protectionnisme de leurs ressources naturelles, de leur population, de leurs emplois… – Tout le monde se braque dans son pays, c'est pas ça ?– Pas du tout, pas du tout, non, pas du tout. Nous avons des ressources naturelles. L'hémisphère nord les souhaite. Certaines fois, ces ressources naturelles sont bradées. Ce que j'appelle de mes voeux, c'est que nous, Africains, nous puissions nous unir, justement pour avoir une offre unique par rapport à l'hémisphère nord. Avoir une offre unique qui sera cotée à une bourse des valeurs des matières premières en Afrique, dont les prix seront facturés par les Africains et non plus par certaines bourses comme Chicago ou d'autres. Parce que quand on vous écoute, donc l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche est une chance pour le continent. C'est une immense chance pour le monde d'abord, parce que je pense que le président Donald John Trump va réussir, comme il l'a toujours fait d'ailleurs, la paix. Je rappelle que le président Donald John Trump est le seul président des États-Unis à n'avoir jamais fait la guerre. Et d'abord, c'est une chance pour le monde et pour la paix dans le monde. C'est une chance également pour l'Afrique. Malheureusement, il y aura sur le bas-côté un certain nombre de… – Il n'a jamais été sur le continent. Hein, donc. Pardon ?– Il n'a jamais été sur le continent, le président Trump, lors de son premier mandat. – Oui, mais il faut lui laisser le temps. – Vous lui faites confiance ?– Ah, j'ai une immense confiance, oui, dans le chef de l'État des États-Unis d'Amérique, bien sûr, parce qu'il a des convictions. C'est quelqu'un qui s'entoure de personnes compétentes, même si cela fait enrager certaines personnes. Je pense que oui, je lui fais confiance pour faire la paix. Je lui fais confiance également pour nous respecter. Et je lui fais confiance également pour animer, toutes les institutions planétaires de façon apaisée. Pour vous respecter, donc, ce n'était pas le cas avec Joe Biden, ce que vous déclarez ? J'ai aucun commentaire à faire sur la présidence de Joseph Biden. Vous avez parlé de paix tout à l'heure. Est-ce qu'il faut réellement croire à cette promesse du président Trump de mettre fin à la guerre en Ukraine en un clin d'œil comme il… – Mais je crois que les négociations ont déjà commencé. Je crois que les négociations ont déjà commencé, qu'elles sont, j'espère, en bon chemin. Et pas seulement l'Ukraine, également le Proche-Orient, également le Soudan. Voilà, donc… Moi, je suis très optimiste quant à cela, parce que dès le 21 janvier, le président Donald John Trump va, comme vous l'avez dit, se recroqueviller sur les États-Unis d'Amérique. Et c'est là que nous devons faire face. C'est à nous maintenant, peuples africains, d'être ensemble pour justement peser et faire des offres. Et je suis certain qu'à partir du moment… Parce que le président Donald John Trump, comme tous les hommes politiques, ne connaît que le rapport de force. Et ce rapport de force, aujourd'hui, dans le cadre de cette nouvelle architecture mondiale, doit nous profiter. Ce rapport de force, maintenant, c'est nous qui devons l'incarner. Et je suis certain que les États-Unis d'Amérique, à partir du moment où ils auront compris que certaines matières premières, que certains produits manufacturés, je pense à l'AGOA, seront disponibles sur le marché américain et profiteront au marché américain, comme les produits de la République populaire de Chine profitent aux États-Unis d'Amérique. Je rappelle que les États-Unis importent 60% de leurs besoins de la Chine. Donc c'est à nous, justement, de peser. Moi, je suis très optimiste, naturellement, par rapport à l'élection du président Donald John Trump, qui a été une élection à 56%. Donc il y a très peu de dirigeants occidentaux qui peuvent
s'enorgueillir de ce score, d'une part, je suis très optimiste quant à l'avenir de l'Afrique. Madagascar serait prêt à prendre le lead de ces pays-là pour faire face au protectionnisme qui arrive du président Trump? Non, ça ne se conçoit pas en opposition. Le président Andra Zoen déjà pratique depuis sa réélection à une offensive diplomatique extrêmement importante. Madagascar est présent sur un certain nombre de sujets. Nous allons accueillir l'Assemblée de la Commission de l'Océan Indien, nous allons accueillir l'Assemblée de la SADC, nous avons un candidat à la Commission pour l'Union africaine. Nous avons noué un certain nombre de relations extrêmement fortes avec la République populaire de Chine, avec les Émirats arabes unis. Nous travaillons également dans le domaine de la coopération internationale avec la Turquie, avec le Maroc, avec les États-Unis d'Amérique. Donc voilà. Une dernière question, la Russie a utilisé pour la première fois un missile intercontinental. Est-ce que vous craignez une escalade? Absolument pas. Merci beaucoup Patrick Ratzuel, conseiller diplomatique du président de la République malgache. Merci d'être repassé à nous voir. Merci beaucoup. Merci à Romain Clicquot de Mec à la rédaction. Portez-vous bien et à très bientôt.